Bonjour à tous, c'est Gaël Blard. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de m'accompagner. On va aller mettre l'engrais dans mes tomates et mes oignons. Donc, l'engrais organique, bien sûr, parce que je suis en bio. Là, je suis parti chercher l'épandeur d'engrais qui est chez des amis, Kevin et Damien. On l'a acheté en copropriété, en fait. Je m'en suis jamais servi parce qu'on l'a reçu il y a un petit mois. Donc voilà, je vais le chercher, j'attelle ça et on en parle. A tout à l'heure. Bon, alors voilà la bête, bicongeuse près. Donc je vais attaquer par couper la cardan, parce qu'apparemment elle serait un poil trop longue. Donc allez, je vais couper ça. Bon allez, on va partir sur 5 cm, on va commencer par couper le plastique. Et voilà, la cardan a perdu 5 cm. Bon, le voilà attelé. Je vous l'accorde, ça fait un sacré bébé. Vous voyez, pas si gros, disons. Donc, mon ordinateur qui est Isobus le reconnaît bien. Donc, impeccable. Et allez, on va à la maison, on va régler ça et on va épandre. Nous voilà en cabine,
L'épandeur est plein, donc je l'ai bâché. Un paquet de saleté qui viennent dedans. Donc, il y a 2 tonnes 187. Alors, je vais régler mon débit maintenant. Pour régler mon débit, une petite application, elle est là. Voilà, elle est sur 210 et moi je vais mettre 940 kHz. Et je valide. En 21 mètres, comme ça je passe au même endroit que le pulvé. Épandage classique. Le type d'engrais, c'est des bouchons. Je valide. Voilà, ben, je choisis celui-là parce que c'est un engrais qui y ressemble. Donc là on a le tableau. Maintenant, pour régler l'appareil, hop, je charge et les données partent dans l'appareil. Donc dans l'ordinateur, ça me dit que pour ce type d'engrais à 21 mètres, le limiteur de bordure, on le règle sur 4. Donc là, là. Voilà. Là voilà, on est au champ. La prise de force est en route. Donc je vais avancer à 4 km/h. C'est la vitesse maximum à laquelle je peux avancer pour mettre mes 940 kg. Et je mets en route en appuyant sur Start. Comme je suis au bord d'un ruisseau, je baisse le limiteur de bordure en appuyant sur Plus. Voilà. Il clignote, c'est que le limiteur de bordure est en place. Donc là, on est dans du bleuet. J'ai quelques lignes de bleuet. Et après, c'est les oignons bulbilles. De réglage là, j'ai baissé ma vitesse à 3 km/h parce que je me suis rendu compte qu'à 4 j'allais trop vite pour mettre 940 kHz. Les trappes de l'épandeur ouvertes à fond, elles n'avaient pas à ces valeurs là. Et le réglage de largeur aussi, j'avais mis 21 mètres, je me suis trompé, il fallait mettre 19 m80 pour que ça corresponde à mes planches, que ça fasse 11 planches d'oignons, de tomates ou de bleuets. Mon frère qui est en train de passer l'air cette ligne dans le bleuet. Alors là j'ai l'engrais qui coule plus d'un côté, donc ça veut dire que j'ai bouché l'épandeur quoi. Alors je vais être obligé de le vider pour regarder ce qui a bouché. Voilà la trappe là, ça me fait bien râler de faire ça quand même. Alors pourquoi j'ai bouché une trappe? Tout simplement parce que d'origine, sur les épandeurs d'engrais, il y a une grille au paquet de morceaux qui puissent passer. Et cette grille, elle n'est pas adaptée aux engrais organiques. Du coup, nous, on la démonte, mais on n'a pas commandé. Enfin, on a commandé maintenant la bonne grille, mais on l'a toujours pas reçue. Et il suffit qu'il y ait un petit bloc d'engrais qui ait pris l'humidité, ça vient boucher la distribution. Alors ça y est, j'ai pris une bonne transpirée. J'ai vidé l'épandeur et c'était un petit bloc de bouchon qui était humide, qui bloquait la distribution. Ça refonctionne. Donc voilà, au bout des 14 hectares, 14,1. Donc manque de peau, il m'en manque un petit peu pour faire une petite pointe là. Il doit rester quoi, moi 100 mètres carrés ou 200 mètres carrés. Bon, tant pis, au deuxième apport, j'en mettrai un peu plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Salut. Alors, un petit bonus pour vous. Là, il est 21h40. Je suis chargé du Paten Cali pour mettre sur mes tomates et mes oignons. Bon, je me suis peut-être un peu laissé emporter, j'ai mis 6 big bags de Paten Cali, ce qui me fait 3,560 tonnes. J'avais l'épandeur posé au sol, une fois que j'ai levé l'épandeur, ben, c'est l'avant du tracteur qui s'est levé parce que j'ai qu'une masse de 600 kg devant. Du coup j'ai mis des masses de John Deere par-dessus ma masse, j'ai mis 6 masses de John Deere.
Et voilà, je roule sur la route tout doucement. Voici ma petite anecdote du soir. Allez, bonsoir, à bientôt. Ciao, ciao.